my sweet darling, go Wotan Dong. Oh, 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 my sweet darling, darling, ah, ah. Oh, my sweet darling, go Wotan Dong. Go, oh. Un pote à nous qui voulait voilà, faire des vidéos et puis il nous avait proposé de faire des petites vidéos de nous. Puis on avait accepté et puis voilà, ça a suivi son cours et un jour ou l'autre, il nous a dit ouais, ça serait cool que vous fassiez un concert ensemble à Bordeaux. Je m'occupe de l'organiser et puis on a accepté et puis finalement c'est là que ça a commencé réellement et on avait travaillé un duo notamment pour ce concert et puis on a senti qu'il y avait un truc à faire, voilà, que c'était marrant, que nos voix elles s'assemblaient bien, qu'il y avait un truc qui passait, on sentait que humainement aussi, que ça commençait. On sentait vraiment fusionnel dès le début. Si ça marche pas dans la vie, je pense pas que ça puisse marcher dans la musique aussi. Il y a une certaine question d'ego dans les groupes et si on se marche dessus, c'est pas bon. Et du coup, ouais, c'est quand même assez important notre fusion. Nous, on faisait de la musique dans notre chambre. Et après, c'est passé à Internet. Et c'est Internet qui nous a donné nos premiers retours. Parce que moi, à part mes parents, personne ne m'avait jamais écouté ou dit ce qu'ils en pensaient. Mes parents sont assez... Puis c'est pas... C'est, ouais, voilà. Ouais, enfin, tu vois. C'est quand c'est ta maman qui t'a dit... Quand ta maman a dit, super, c'est bien. C'est ta maman, donc tu te dis pas, ouais, ça doit être bien, ça doit être bien. Et du coup, c'est... Et après, c'est un vrai public, Internet. Et puis ça pardonne pas, Internet, c'est très violent. C'est-à-dire que... C'est aussi violent que la télé, quoi. Donc c'est pareil. Les gens, s'ils aiment pas, ils te le font vite comprendre. Et s'ils aiment pas du tout, ça peut même être méchant. Donc c'est vrai que là, pour le coup, nous, on a été super bien accueillis sur Internet. Il y a eu très peu de commentaires ou de gens méchants avec nous. On est conscient, voilà, que ça a fait partie du truc au début. Maintenant, franchement, je pense et j'en suis certain que les gens viennent nous voir et pour notre musique. Et pas pour autre chose. Après, quand on nous dit qu'on est des jolis garçons, bah, nous, on peut juste dire merci. Ah non, c'est chiant. On peut juste dire merci, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment un truc où on pense, mais pas du tout. Ouais. Mais on s'en fout même. Nous, en tout cas, quand on a fait notre album et qu'on l'a transpiré et qu'on l'a... On l'a eu un peu au début parce qu'on était... Au début, on était un produit. On était autodidacte, donc fallait qu'on fasse des reprises, fallait qu'on fasse des choses qui existaient déjà. Donc il y avait cette image aussi. Mais maintenant, on a fait quelque chose de concret, on est rentré dans cet univers artistique et du coup... Bah, on fait de la musique. Ouais, voilà, on fait clairement de la musique. Donc, je pense que c'est passé au-dessus et maintenant, il n'y a plus rien à voir avec ça.